Salut YouTube, salut les amis, on est parti pour le 10e épisode de Mass Effect Andromeda. Let's go! Et voilà, on se retrouve une nouvelle fois sur Eos. On n'en a pas fini avec cette planète. On est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon. Là, qu'avons-nous? Allez, on prend. Sam, c'est encore un déclencheur de souvenirs? En effet, mais rien n'a été déverrouillé dans ma mémoire. Des déclencheurs supplémentaires sont nécessaires. Bon, mais oh, on va pas faire que ça non plus. Hein. Bon, les amis, apparemment, on doit aller voir ce qu'il y a là-bas en face. Allez, on voit un peu ce que c'est que ce truc. On les a tous eus. On les a tous eus, on avait tous eu qui? Qu'est-ce que c'est encore que ce bazar? Mouais. Alors, on va voir si on peut interagir. Regardez là-bas. Il y a quelque chose qui sort du lac. La technologie est sous terre aussi. Allons voir ça. S'ouvre. Une porte. Venez. C'est joli tout ça. On dirait presque une invitation. J'espère que c'est sans danger. Ouais, ça, je suis pas certain que c'est sans danger. Hein. On va ouvrir. Alors, ouais. Bon, ben ça, ce sont nos armes, ça va, c'est bon. Non, non, c'est pas possible. Toute cette fanfare pour une pièce déserte? Bah ouais, apparemment. Il doit y avoir quelque chose de caché, j'en suis sûre. Faites votre truc de pionnier. Trouver un trésor, ouais. Ah ben voilà, tu vois, il y a qu'à demander. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh, bien joué. De rien. Merci. On fait de son mieux. Hein. Allez. J'ai rien fait du tout. Bah, vois ta net. Hein. Je n'en vois même pas le bout. Ah. C'est la pression électrostatique? Oh non, gravitationnelle plutôt. Ouais. Mais t'es bête, Phoebe. C'était pas la porte d'entrée. La voilà, la vraie. Qu'est-ce que vous... Allez, suivez-moi, pionnier. Hé hey. Ah. C'est parti. Voilà. Ah ouais, pour ceux qui n'auraient pas encore marqué, laissez rien de côté. J'ai mis le casque du pionnier dans mon armure. Alors, 21 mètres, il n'y a rien d'autre. Bon, on va y voir par là. Hein. Voilà, je vais en battre ici. Je crois que ce puits de gravité marche aussi à l'envers. Alors, on a une sortie. Vous allez pas partir tout de suite, si? Non, pas avant d'avoir trouvé les commandes du processeur. Ah ben, les voilà les commandes. Allez, c'est parti! Puissance au minimum. Je pense pas que ça ait déclenché le processeur d'atmosphère, mais... Un conduit dans le sol vient de s'activer. Il achemine un fluide. Il pourrait s'agir d'une alimentation d'urgence. Votre scanner pourra vous en apprendre plus. D'accord, ok, le scanner... Je vois le conduit, Sam. Je sais pas ce que c'est, mais il sort de cette salle. C'est pas ce qu'on cherche, mais ça vaut le coup de l'enregistrer. Ne touchez pas n'importe quoi. Peut-être des pièges. J'en détecte aucun. J'ai fait la même erreur une fois. Aucune trace d'Eckert. Peut-être qu'ils ne peuvent pas entrer dans ce caveau. Mais vous aussi, ça va attirer leur attention. J'en ai de la chance. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Message déchiffré. Accès soumis à lecture. Cette console est liée à des équipements à la surface. Donc elle contrôle sûrement le processeur d'atmosphère. Pas de glyphes.
Ça a l'air hors service. Ou verrouillé, comme presque tout ici. Le conduit va jusqu'à cette console et continue plus loin dans le caveau. Donc si on le suit, on trouvera peut-être les commandes de déverrouillage. Ok, bon, on va suivre le conduit, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Un autre puits de gravité. Tiens, c'est nouveau, ça. Ouais, c'est vrai, ça, c'est nouveau. Tout se passe, ça. Un symbole d'autorité ou peut-être une clé? Difficile à dire avec les reliquats. On manque d'informations. Oh bah, pour en dire une pareille. Je trouve comme info sur cette beauté. Peut-être par là. Mais ce qui maintient tout verrouillé se trouve de l'autre côté. Je travaille mieux seul. Vous remettez le caveau en marche, je m'occupe de cette relique et à nous deux, on en saura plus sur cet endroit. Mmh. Ouais, bon allez. Bien vu. On couvrira deux fois plus de terrain. Ouais, mais c'est quand même risqué. Hein. Je suis sur la fréquence 145.8. Faites attention. Oui, chef, ça va, on a compris. Pas un grand danger si tout est éteint. Le puits de gravité est scellé. On passera pas. En fait, un puits de gravité est un champ gravitationnel entourant un corps massif dans l'espace. Ceci serait plutôt un puits à pesanteur variable. Note-le pour notre ami Asari. Pourquoi on voudrait essayer d'expliquer tout ça? Un, deux, c'est... Oui, bon, vous savez déjà qui c'est. Voilà. On vous reçoit, Pibi. Gardez le contact. Ah, voilà, la nouvelle console. Et on interagit. Il sera un bouclier. Ça pourrait nous servir. Contre quoi? Alors, ce liquide bizarre, il leur en faut tout un actuc. Plutôt deux, au moins. Je viens d'en traverser un autre. C'est quoi, ça? Bon, mais... Calme-toi! Voilà! Attention, ne tombez pas dans ce liquide! Vos boucliers résisteront pas, et je sais de quoi je parle. Ah, ça veut dire qu'il est tombé dedans. Ah, des munitions. Et une nouvelle console. Allez. On va récupérer la munition. Tu es où, mon coco? Ah oui, je viens de me tirer dessus. Forcément qu'il est abattu. Cours pas. On a ta compagnie. D'autres reliquats. Attention sur les bords. Compris. Voilà. Te voilà, toi. Levez la tête! Ne les laissez pas venir au-dessus de nous! Ah, parce que ça vient juste au-dessus. Décidément. Wow, wow, wow! Wow! Maintenez la pression! On y est presque! Plus qu'un, leve-la là-bas. Ennemi abattu! Oh. Eh bien, voilà! Pas besoin. Elle est là-bas. C'est une façon comme une autre d'éclairer. Ouais. On n'a pas eu à faire tout ça pour le processeur d'atmosphère précédent. Mon père s'est connecté dessus directement. On va éviter. Une intervention directe s'est à ce moment avérée nécessaire, mais très imprudente. Regardez la taille que ça fait. C'est peut-être un autre puits de gravité. Ah ben alors. Je vais prévenir que guérir. Abattez-les. Wow, 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 wow. Ce puits ne va pas s'ouvrir sous nos pieds, hein. Normalement, non. Concentrez-vous sur les reliquats. Ah, je suis crevé.
Voilà. Ça vaut la peine d'essayer. Bon, il faut qu'on utilise ces deux consoles pour fermer le circuit. Cet appareil semble être de nature défensive. Le puits de gravité est toujours scellé. Bon, on va aller voir l'autre console et fermer ce circuit. Allez. C'est parti. Alimentation rétablie dans le puits de gravité. Le conduit mène en bas. La pression du fluide du conduit est variable. Activité possible en dessous. Eh bien, allons plus bas. Allez, là-bas, c'est parti, on va plus bas. Qu'est-ce qu'on a là? Merde, il y a une fuite dans le conduit. Et juste au-dessus de la console. Vous allez vous brûler les mains si vous essayez de vous en servir. Sans fluide, pas d'alimentation. Bordel. C'est peut-être pour ça que les appareils d'en haut étaient éteints. Pas question de faire demi-tour. On doit bien pouvoir réparer cette fuite. Quoi que ce soit, ça va plaire à nos scientifiques. Tout ça. Ah, c'est bien, au-dessus de moi, mais bon. Pas moyen. Sans le conduit, même la porte n'est pas assez alimentée. Il y a une fuite dans le conduit. Attendez une seconde. Les observateurs utilisaient des fréquences laser bizarres pour réparer une paroi endommagée tout à l'heure. Je vais transmettre ces fréquences à votre mi-tête. Peut-être qu'ils pourront réparer le conduit. Bah oui, d'ici. Bien reçu. Je vais essayer. Réagit à ces fréquences. C'est juste un décollage, mais ça devrait tenir. Bien joué! Si c'est bel et bien réparé, la console devrait fonctionner. Alors, ben on va voir si ça fonctionne. On dirait que ça a marché. Il y a même une passerelle. Vous assurez, Ryder? Vous allez où comme ça? On doit plus être bien loin des commandes de déverrouillage. Le premier arrivé récolte toute la gloire. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que c'est que tout ça? On peut seulement descendre. Il ne voulait pas qu'on traverse facilement, on dirait. Faites attention. Ça fait toujours une sacrée chute. C'est étrange. Ni eau, ni lumière. Plante inconnue. Elles devraient toutes être mortes. Elles sont peut-être assez coriaces pour résister aux conditions de vie de cette planète. La source du verrouillage général nous apportera peut-être plus d'informations. Nous en sommes proches. Bien joué tout le monde. Voilà, et niveau supérieur gagné, magnifique. Alors, dépouille. Une munition, ça tombe bien, il y en a là. On a déjà descendu deux puits de gravité et ça s'enfonce encore. Qu'est-ce qu'on va trouver tout au fond? Pas de mauvaise surprise, j'espère. Et voilà. Comme tu dis, et voilà. On va essayer. Et voilà, cinématique. Mais encore.
idée, Sam ? Objet inconnu qui semble lié au verrouillage. Une étude approfondie pourrait nous en dire davantage. Le verrouillage du système est désactivé. Le caveau et le processeur d'atmosphère devraient être opérationnels. Cool ! Ryder, vous avez réparé le système, hein ? C'est ça. Tout s'allume. Les capteurs d'énergie sont en train de péter les plombs. Waouh ! Les mesures sont vraiment hors normes. Mais si ça fonctionne normalement, on devrait pouvoir... Sans quoi ? Ryder ! Courez ! Voilà, cours ! Attention ! Les conduits de ventilation ! Eh ben dis donc, on a encore tout cassé. C'est trop loin pour sauter. Vous avez un autre pont sous la main ? Je pense, oui. Non, j'ai pas l'intention de m'arrêter, moi. Ah, une porte. Allez, let's go. Un autre puits de gravité. On ne sait pas où il mène. Ça nous éloigne d'ici, c'est tout ce qui compte. Exactement. Il est toujours derrière. Il balaie tout le caveau. On fait tout ce qu'il touche. Ouais, comme nous, quoi. Exactement. Allez, hop, et on remonte. Allez, go! Y'a plus de barrière! Si vous voulez ce machin, prenez-le vite! Eh, voilà, on est sorti! On y est presque! Vous êtes loin? Allô? Bibi? Allez, cours, ma belle, cours! Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Tous au puits de gravité ! Merde, c'est verrouillé ! Glissez quelque chose dessous ! Ouais, on va glisser quoi ? Ah, la console. La console tente de se reconnecter à la surface. Allez ! Pousse-toi ! Ben voilà ! Le redémarrage du caveau est terminé. C'était rien tout coupé. Eh ben là, on peut dire que c'est pas passé loin. Ah non, c'était même tout près. Oui, on l'a échappé belle. Il faut qu'on soit plus prudent. Ce champ était à deux doigts de nous désintégrer. Mais on s'en est tiré. Et si on se concentrait plutôt sur ce caveau que vous venez d'activer ? Le processeur d'atmosphère est activé. Récupération de l'activité récente de la console. Cool. C'est ça le secteur Eleus ? Ouais. On est là. C'est Eos. Regardez ça. C'est parce qu'on a redémarré le système. Si cette lumière, c'est nous, tous ces points pourraient être des caveaux dans d'autres mondes. Exactement. Comme celui-ci. Possible. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a tout un réseau ? À quoi est-ce qu'ils peuvent bien servir ? C'est une chose incroyable. Cette technologie peut créer des observateurs à partir de rien, détruire des planètes, et on n'a pas tout vu. Les robots, les plantes qu'on vient de voir, les processeurs d'atmosphère... J'ai travaillé pour une équipe du Conseil qui ensemençait l'atmosphère d'une planète glaciaire pour faire fondre ses calottes. Pour que la vie soit possible. Le premier processeur qu'on a vu faisait le contraire, mais c'était peut-être une défaillance. C'est ça qu'ils essayaient de faire ? Rendre ces mondes habitables ? Et même terraformer un secteur entier ? Hé, hey, regardez. Il est pas pareil. Il est peut-être actif ? Faut qu'on aille voir. Ouais, il faut. Mais, les amis, je crois qu'il faut aller voir ça dans un autre épisode. Il nous faut plus d'informations. C'est ça. Gagnons la surface. Exactement. J'ai besoin de prendre l'air. Et moi aussi, les amis, voilà. C'est donc ici qu'on va se laisser.
on a pris un niveau, on a déverrouillé tout ceci et on se dit rendez-vous dans le prochain épisode. Ciao, ciao!